Tu pars de ton chien. Il fait un froid de canard à pas mettre un chat dehors. Oh, qu'il fait froid. Mais qu'est-ce qu'il en prend? Mais qu'est-ce qu'il en prend? Mais c'est les Martiens qui ont débarqué ou quoi? Quelques petits bonbons, Père Noël. Merci, merci beaucoup. Un peu de chocolat pour vous réchauffer, Père Noël. Je vous ai apporté des fruits, Père Noël. Oh, merci, mais c'est trop gentil. Et joyeux Noël à tous. Non, 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 c'est pas vrai. Lui, encore lui, toujours lui. J'ai froid, je gèle, je meurs, mon estomac crie famine et Monsieur Dupif joue les Pères Noël. C'est pas juste. Oh, et ben vous savez quoi? S'il y a de la place pour un Père Pif, il y en aura aussi pour un Hercule Noël. À moins que ce ne soit le contraire d'ailleurs. Enfin bref, bon, de toute façon j'y vais. Vous auriez jamais dû faire la caisse d'un marchand de glace en plein hiver, patron. C'est un coup à attraper du mal, ça. Les doigts, je pense. Ça y est, petit. Mon cerveau génial a repris du service. Noël, c'est Noël. Les grands magasins débordent de clients et les caisses regorgent de beaux billets tout neufs. Ah, tu vois une objection à mon plan génial, petit? Ouais, patron, il y a beaucoup de monde dans les magasins au moment de Noël. Ton patron, il connaît le moyen de passer inaperçu dans la foule, petit. Et voilà. Vous désirez un paquet cadeau, madame? Oui, s'il vous plaît. Ni vu ni connu. Oh, j'adore Noël. Tout le monde dépense un argent fou. On m'assassine, on me tue. On me ruine, on me frappe dans le dos. Mes jolis petits bijoux, hein, le fleuron de mon chiffre d'affaires. Mais Gros Chou le Grand ne se laissera pas dépouiller. Gros Chou va se défendre. Gros Chou va riposter. Ah, je te tiens. J'ai arrêté plein de voleurs cette année. J'ai bien mangé ma soupe. J'ai aidé les vieilles dames à traverser la rue sans les pousser. Enfin bref, j'ai été sage, quoi. Alors voilà. Père Noël, je t'ai apporté la commande pour mon petit soulier, quoi. La commande, excuse-moi, petit. Mon traîneau est en double filet. Salut. Dis, Père Noël, tu veux bien me faire un petit bibi, là, s'il te plaît, hein? Pourvu qu'il m'apporte à mon sifflet tout d'un front. Avec ce déguisement, je passe inaperçu et hop, j'attrape mon assassin. Et comme ça, attendez, j'ai une meilleure idée. Comme ça, non? Non, comme ça, c'est pas mal, hein? Mais dépêchez-vous, parce que là, vous voyez, je fatigue un petit peu. Non, faut pas traîner autant, parce que... où est-ce qu'ils sont passés? Ça, c'est encore un coup d'Hercule. Oh, cette fois, je vais en faire une descente de lit. Dites-moi, il n'y a plus de gâteau à la crème. Je m'excuse d'insister, mais vous n'avez rien apporté d'autre, des fois. Moi, je t'ai apporté quelque chose. Ah, c'est la fin de la trêve de Noël. Vous allez filer, toi et ton sparadrap, ou je vous réduis en cendres. Tu n'as pas honte? Moi? Non, mais honte de quoi? Mais comment ça, de quoi? Mais de frapper le Père Noël, bien entendu. Et devant tout le monde, en plus. Qu'est-ce que je fais? Je tire dans le tas. Du calme. Patron, j'ai peur. Dis-nous de papier, patron. Cerveau. Oh, mon génial cerveau. Il faut que tu me sortes de là. Là. Il est là. Le Père Noël. Le Gros Chou, j'aurai celui qui me dépouille. Qu'est-ce que c'est? Au secours! À moi! Ici, c'est la réserve. L'escalier, là, doit mener au coffre-fort. Ok, patron, on y va.
C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ah. Et attendez un peu. Ah. Eh ben voilà, si c'est pas trop demandé, eh ben je le voudrais bien en roulette. À quoi? Mon sifflet, dans mon soulier. À votre sifflet, dans votre... Ouais, mon sifflet, je le voudrais en roulette, si possible, bien sûr. Ah ben c'est ça, c'est ça, oui, c'est un sifflet à roulette, oui, un sifflet, vous pouvez compter sur moi. Un autre, s'il vous plaît. Un autre sifflet? Un autre bibi, là, s'il vous plaît. Oh, c'est gentil, ça. Agent Farfouille. À vos ordres, chef. Nos informateurs nous signalent que deux malfrats déguisés en Père Noël s'apprêtent à dévaliser les coffres du grand magasin. En Père Noël? Usurpation d'identité? Ça va leur coûter cher, ça. Point d'œil, Farfouille. À vos ordres, chef. La civilisation compte sur vous. Elle le peut, chef. Bah évidemment, avec ta tête, tu fais fuir toute la clientèle. Comment quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête, d'abord? La justice n'aura pas traîné. C'est là qu'elle ne me revient pas, ta tête, monsieur du matou. Eh ben dis donc, c'est le plus gêné qui s'en va d'abord, je monsieur. Je sens que je vais prendre un certain plaisir à t'arracher les moustaches, monsieur la calamité. Tiens, essaye un peu pour voir, monsieur du tarin. Clic-clac, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'il fait? À deux Père Noël, le compte y est, justice est faite. Dis donc, t'as la police aux trousses, toi? Non, et toi? Bah non plus. Ben alors, c'est une erreur judiciaire. Hey! Décidément, vivement Noël, j'ai vraiment besoin d'un sifflet neuf. Vite, par là. Par là, mais où? Par là, où? Bon, ben, Girophare, où sont passés mes gaillards? Cette folle de tiens, elle va meurtre. Je voulais mettre gros chou dans la taille. Et vous, mes bijoux. Moi, mes bijoux. Laissez-moi, je vous ordonne de me lâcher. Je suis le directeur de ce magasin, voyons. Mais voyons. Mais Eh, dis donc, c'est toi? Patron, j'entends des voix, on n'est pas tout seul. N'aie pas peur, petit, je suis là. Je sens mes billets par là. Ça y est, je les tiens. Je vous tiens, mes gaillards. Que personne ne bouge. Il y a le faux Père Noël parmi vous. Et qui dit faux Père Noël dit fausse barbe. On va bien voir si elle tient, celle-là. Revois-la des manières, Farfouille. Tu seras privé de siffler à Noël, ça t'apprendra. Non, cette fois, Farfouille, tu es allé un peu trop loin. Tu n'auras pas de sifflet l'année prochaine non plus. Non, mais me mettre une contravention. Ça va, vous deux. Vous pouvez sortir maintenant. Et oui, c'est ça le miracle de Noël.